Hello, bonjour, coucou, salut à tous et à tous. On est parti une nouvelle fois pour une VOD Zac. C'était donc la dernière game de mon BO5 pour le repassage diamant, pour ceux que ça intéresse. Donc c'est des games sympathiques. Sympathique, il y a de l'action et tout, il y a des mecs qui ont des pseudos rigolos, ça va être nice. Dernière VOD, Ezreal sur Smurf, une game avec des petits moves rigolos. Et vraiment une analyse un petit peu des teamfights qui peut être intéressante, je pense, à mon avis. La dernière VOD, Zac Jungle, puisque je fais pas souvent de VOD Jungle, donc autant en reparler, elle est là, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Niveau des maîtrises, c'est comme la dernière fois, du 9-21, truc un peu tanky avec un peu d'AP. Les runes, c'est pareil, de toute façon vous savez très bien que j'ai pas beaucoup de pages de runes, je fais avec ce que j'ai, puis je ne m'embête pas à aller plus loin. Bref, nous partons donc sur ce Zaku Junguru. On va essayer de mettre tout le monde en face. Ah oui, alors, attendez, je crois que j'avais un Kassadin top, c'est genre le truc de ouf que tu sais pas pourquoi ça existe. Parce qu'en théorie, il se fait détruire. Je crois que ça se passera pas comme ça, mais... Et donc j'aurai une Kata... Non, alors Ramus il va être là, bah ok, il là-bas. Ok, on est good. Alors là, Kassata, il faut penser qu'il est face à un AP, donc en théorie, ça l'aide déjà un petit peu plus, bien évidemment. On va mettre la vision ici uniquement. Tout va très très bien. La machette au début, le trinket rouge que j'aime toujours beaucoup pour mettre un peu de pression au niveau de la solo queue. Vous arrivez, si le gang passe, tant mieux. S'il ne passe pas, vous faites au moins perdre la vision aux adversaires. C'est cool. Les camps de jungle, le blue, les loups. Et ensuite, on part au golem. Le top se fait push. Donc, à la base, j'aurais voulu aller jeter un oeil au top. Finalement, vu qu'on a vu qu'il avait disparu lui, il y avait des chances qu'il soit parti ward. Donc aller là m'aurait pas donné grand chose. Le Kassa aurait eu trop de chemin à faire, il aurait jamais pu être là. Par contre, là il est en train de push le Maokai, ce qui signifie que je peux arriver de ce côté-ci en mode direct, parce qu'on l'a vu revenir là. Et vu qu'il est revenu, alors on va y analyser juste après. Hop, le petit gank avec le jump, on ralentit le gars, c'est cool, un flash de cramé. C'est GG, well play. On va donc réanalyser un petit peu. Au lieu de revenir par là collé au mur, il était revenu par là, ce qui faisait vachement éloigné, un peu bizarre. Donc dans ces conditions là, si vous savez pas où il a ward, pensez à bien évidemment essayer d'aller très vite, hein, parce que là si le gars avait eu le temps de réagir, j'aurais pu faire moins de dégâts. On enlève la ward, ça met de la pression psychologique et ça fait des golds. On retourne faire un camp de jungle quand on a le smite, hein, autant que possible, n'hésitez pas. Si vous avez des ganks que vous voyez visibles à faire, faites-les, hein, c'est cadeau. Et dès que vous avez le smite, allez dans votre jungle, voilà, ça peut vous aider à faire les camps plus vite. Le mid vient de mourir, c'est un peu dommage, c'est que j'étais là de toute façon, j'aurais pas pu aller l'aider. Hein. Si à tout hasard un mec vous rage dessus comme ça, genre ouais, pourquoi t'es pas venu m'aider et tout, bah en gros, si vous êtes de l'autre côté du mur, vous allez juste venir pour lui montrer que vous êtes présent, il va quand même mourir parce que vous n'avez pas le temps de venir dans ces conditions-là, tant que vous preniez vos creeps tranquilles. Niveau de la bot lane, je trouve pas ça toujours facile de faire les ganks ici, donc moi je préfère. En gros, je suis pas bon en jungle. Mais du coup, je préfère faire des ganks que je suis assuré de réussir, on va dire. En l'occurrence, ici. Vu que j'en vois pas de possible à 300%, je fais du farm. Là, par contre, mid. Il y a la kata qui était avancée jusqu'ici. Normalement, la lane va se reset, mais c'est un peu long. Bot, par contre, il y a du push. Il y a du gros, gros push au bot. Ce qui me permet, du coup, vu qu'il y a le grab qui passe, d'enchaîner là-dessus. Et vraiment, en fait, là, ce qui me permet de faire un gank qui va être successful plus que prévu, au final, hein. C'est vraiment ce côté, le fait qu'il s'auto-bait en fait en arrivant à grab le brome. Il va lui mettre des dégâts, sauf que moi je suis présent à ce moment-là. Et là du coup avec tous les CC qu'il y a, donc le stun de brome ici qui est passé via son passif, le ralentissement dû au red buff et aussi le ralentissement dû à mon A, après le stun évidemment, on est tranquille pour aller chase très très loin ses adversaires. Et là ils vont pas s'en tirer spécialement. C'est-à-dire que là, si la Vayne veut tuer le brome, bah, elle va mourir, elle n'a pas énormément d'escape en l'occurrence. Ensuite, moi j'ai mon passif. La ward, la lanterne pardon, a disparu, on est tranquille. Mais faut penser que ce qui me permet de faire un gank d'aussi loin, c'est tout simplement le fait que j'ai max le jump. Ça permet d'avoir une range améliorée. Au lieu d'aller d'ici à là, je peux aller d'ici à cet endroit-là. Et là, du coup, sur ce fight-là, sur ce gank choisi, finalement ce qui a été utilisé, c'est le fait que l'adversaire s'auto-bait en ayant un grab qui passe. On a le smite up, ça me permet de faire les loups avant de back rapidement. On va back, ensuite on pourra revenir récupérer notre blue buff. On est à 6 minutes 30, donc le blue buff repop à 7 minutes 10. On va d'abord aller chercher des golds où on peut. J'aurais voulu aller faire les vrais avant. Finalement, comme il y a des golds au mid, on va récupérer les golds au mid pour ne pas qu'ils meurent sous la tour. Je vais arriver un petit peu en retard au niveau du blue buff, parce que je fais les vrais ici, de 4-5 secondes. Mais en même temps, ce blue buff, donc j'ai demandé au Jay s'il le voulait, je me sens de la game. Le gars avait dit, bah non, ça sert à rien actuellement, je suis trop mal dans ma game, quoi. La Katarina qui continue de le chain kill. Hein. Et le gars, malheureusement, il revient sur la lane. Il meurt et vu qu'il a pas fait d'ex-drinker, enfin, il se fait instant. C'est un peu dommage.
Nakata qui, encore une fois, s'en va. Donc, je récupère. C'est vraiment à chaque fois que je reviens, en fait, c'est juste pour récupérer le farm. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à faire puisque finalement, quand je suis proche, bah, le gars est pas spécialement en train de se fight et j'arrive pas à trouver les bonnes opportunités pour le manque de gank la Katarina. Donc, un gank successful top qui a fait cramer un flash. Mais après, j'ai pas trouvé le temps en l'occurrence de retourner au top parce qu'il faut vraiment que le mec soit mal placé pour être sûr que je puisse le tuer. J'ai préféré jouer sur le farm et sur la bot lane, ça a permis de prendre un kill. C'est toujours ça de gagner en l'occurrence. Ceci dit, à côté de ça, vu que je farm pas mal, je vais avoir une efficacité dans la game. J'ai ma cooldown réduction, je commence à avoir l'item jungle, je serai pas inefficace. C'est un truc important à noter, hein. C'est que plutôt que d'essayer de faire plein de ganks qui ne passeront pas spécialement, je préfère faire des choses dont je suis sûr. Des ganks qui vont passer, ou, en l'occurrence, potentiellement, du farm jungle. La Katarina, qui s'est un peu trop avancée, elle vient d'utiliser son Shinpo, comme on a vu. Donc je vais aller la chercher très loin. On voit que le max du E, c'est quand même ouf en termes de range. Hein. On va mettre un max de dégâts. Ne pas oublier de faire des Z pendant que vous êtes sous votre R. La Katarina qui essaye de contester un peu cela. Et qui va donner le shutdown à notre cher Jace. Et là, le gars, ça va le remettre un peu mieux finalement. Parce qu'en termes de farm, il n'y a pas trop de retard. Ça, on peut au moins lui reconnaître. Il n'a pas spécialement du retard en farm. Vu qu'il a sa arme de Hades, il va être un peu plus fort plus tard. Là, ce qu'il fallait, c'est qu'il revienne en XP. Donc, il est passé level 7. Ça le remet vraiment bien. L'Uramus qui fait un gank top, et on sait ici, alors on a vu le Maokai qui était pas bien sous sa tour au début. Donc je vais arriver à faire le gank par derrière, faut que j'arrive de très 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 loin. Parce que malheureusement le Kassa s'est pris le gank du Ramus, un petit peu chaud. Ramus plus Maokai, je dois avouer que ça me fait flipper au début. Hein. Donc Ramus s'approche, on va commencer à taper Ramus. Notez que j'essaie de ramasser tous mes blobs pour faire durer le fight et temporiser le temps que mes CD reviennent. Le Red Buff ici et moi vont tuer Ramus, et là il faut absolument que je récupère du blob le temps que j'ai pas de CD. Vite. On a réussi à récupérer un seul blob et pas les deux. Le Maokai n'a plus de mana. Seulement, le problème, c'est que dès que je fais des spells, je crame un peu de HP. Et là, ici, petite perte de temps, on va essayer de récupérer le blob très très vite, qui sera écrasé par le Maokai. Ça s'est pas joué à grand-chose sur ce fight-là. Et je dois vous avouer que je suis un peu déçu, parce qu'il y a deux blobs qui ont été écrasés. J'ai pas été assez rapide sur les blobs. Bon, le Maokai, ceci dit, s'en tire à pas grand-chose, hein, parce qu'il y avait le red buff en plus. J'étais un poil déçu. Et on a Jace qui fait un décal intelligent, qui va réussir à récupérer le kill. Vraiment, c'est important de récupérer vos blobs autant que possible avec Zac, ça permet du coup de régénérer des HP et de temporiser vos CD, c'est vos spells qui font du dégât principalement. Même si Red Buff a une certaine efficacité, c'est plus ou moins limité. On se régène du coup nos HP dans la jungle, hein, via l'item jungle et via le passif de Zac. Le passif de Zac, on rappelle qu'en gros vos spells vous coûtent 4% de vos HP actuels, mais vous rendent 4% de vos HP max, enfin les blobs. Bon, faut faire attention, ils peuvent se faire écraser et tout. Ici, je pensais qu'il allait y avoir un dive sur la bot lane. Bon, après un vu pas, finalement le broom reste. Le broom reste pour bait comme ça, c'est intelligent. On va quand même sauter sur la veine qui recule ici, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle recule. Les dégâts mis sont pas négligeables du tout, et là par contre il y a Ramus. Et le Ramus, je dois avouer qu'il me met assez mal, je m'attendais pas à ce qu'il soit là. J'ai directement cramé le flash out, hein. Je suis désolé, on l'a pas vu. J'ai flash out pour éviter du coup de mourir à cause du Ramus. Je pensais pas qu'il allait être là à ce moment là le gars. Ça permet quand même au Lucian de revenir. Le Lucian étant présent, je reste à côté au cas où quelque chose est possible. Il y a Lucian, il y a Broome, bon. Finalement les adversaires s'échappent. J'ai quand même permis de défendre la tour. Lucian peut revenir et récupérer son farm et être tranquille. Niveau farm, on est bien. Le blue buff va repop. On est dans les timings. Hein. Toujours le back juste avant le repop et tout. Hop, blue buff qui repop. Et là, on prévient notre petit pote Jace. Bah écoute, mec, t'étais mal dans la game au début. T'es un peu revenu quand même. Bah, vachement bien revenu même hein, maintenant. Tu peux venir chercher ton blue buff si tu le veux. Il n'y a pas de galère. Comme on est un mec sympa, on lui donne quand même ce buff. Hein. Ce qui était cool dans cette game, c'est qu'il n'y a pas eu de flame. Enfin, ça arrive souvent qu'il y ait beaucoup de flame, mais des fois pas trop. Je vais... Alors, à la base, je veux juste voir le Drake. Et je me dis, Ramus est top. On a vu Ramus top, hein, c'est important. Notez l'information, Ramus est top. Il est mort top. Kassa va prendre sans doute un double kill. À partir du moment où Ramus est top, que j'ai une pink ward sur moi, je peux faire un free Drake. Pourquoi ? La bot lane, Thresh Vayne, va pas m'en empêcher. Si Katarina veut venir, on a beaucoup de CC pour l'empêcher d'ultime. On n'est pas en danger, surtout. On sera en 4v3. Et en 4v3, on peut complètement les dépop, les adversaires. Donc, on récupère l'objectif. Notez toujours le placement du jungle adverse. Le mec est au top, punissez-le. Ok mon gars, tu es au top, moi je te punis, je prends un objectif qui va être vers le bot de la map. C'est super important comme ça de ne pas laisser impunis les déplacements adverses. Surtout lorsque c'est pas successful en plus. Hein. Le gank bot qui est fait par la Katarina. Et là les adversaires vont essayer d'aller chercher assez loin du coup. Hein, ce petit Lucian qui parvient quand même à pas mal s'échapper. Hein. Donc on a Jace qui arrive par derrière. En mode un petit peu sneaky. Et moi là je voulais arriver un petit peu comme un cochon. Le joli Shunpo de la Kata, faut noter franchement que son Shunpo était pas mal et que je l'attendais pas spécialement. Et là, le jump qui me permet de revenir à portée. L'ultime qui, on rappelle, enlève les réductions de vitesse de déplacement. Et là, mon focus, c'est vraiment la Kata. Hein. C'est que je voulais à la base la ralentir. Finalement, une fois qu'elle passe hors de portée, je me suis dit que Jace allait pouvoir finir le taf.
on va se mettre de l'autre côté du mur. Rappelez-vous, le E a une range de ouf. La petite ward que je place. Placez vos wards. C'est important les wards. Regardez ce qu'elle me permet. Un kill de plus. Ne négligez pas les wards. Tout à l'heure, la Pinko Drake qui permet de prendre un free Drake parce que Ramus est au top. Ici, la ward qui permet du coup de bien viser la Katarina, d'être sûr qu'elle ne puisse pas réagir trop vite et me tuer. Même si j'ai le passif de hop, ça aurait été dommage de le gâcher là-dessus. Niveau des timings, on se rappelle que les adversaires n'avaient pas de buff. À partir de là, moi, je peux très bien vérifier, en l'occurrence, il y a le blue buff. On récupère. Je ne pouvais pas perdre le temps de le donner au Kassa, mais au moins, les adversaires ne l'ont pas. Ce qui fait que le Ramus prend du retard et que bah du coup, c'est pas le Ramus qui a le blue buff, ni le Mohawkan, ni rien. C'est plus tranquille. Donc là, actuellement, dans la game, je suis à 80 de creep, 22 de plus que Ramus. Je suis à 2-0-4. Au total, j'ai quand même un K-Gold de plus que lui. Bot, je voulais voir si les adversaires n'étaient pas en train de push la tour pour éviter qu'ils prennent un objectif free. On va donc se mettre en mode pression ici au cas où ils avancent. À partir du moment où ils ne sont pas là, on retourne farm notre jungle. Faut noter que je passe énormément de temps à farm et que vraiment, bah, je vais faire des moves quand je les sens. Le Jace maintenant qui fait du double kill aussi. Enfin, les mecs, une fois qu'ils le remettent bien dans la game, si psychologiquement, déjà, ne flamez pas. Faites pas de flame, le gars du qui hop, essaie de faire ça comme stuff, machin, ex-drinker wood. Si vous faites pas de flame déjà, les gars, ils le savent déjà s'ils font une erreur dans la game. Je veux dire, ils ont fail, ils sont morts 2-3 fois, ils le savent. Ça sert à rien de les insulter. Faut essayer de rester vraiment aussi calme que possible. Ne pas hésiter à temporiser un petit peu les gars, genre dire non, vas-y, fais pas ça, reste cool. Et petit à petit, bah, paf, un gank est passé, il est revenu au level, à level le Jace. Il a ensuite pris la fin du, comment dire, la fin du kill au top sur le Maokai. Il était revenu bien dans sa game, c'est cool. Mais ça n'avait pas d'intérêt flame. La Kata ici qui arrive au mid, et une fois de plus, on a cette force de ouf qui permet de jump très loin. Le Ramus qui ne prendra pas le super jump. La Kata qui essaye de mettre quelques dégâts quand même hein, sur le Lucian, et on rappelle que l'ultime de Katarina réduit de 50% les heals, donc le heal de Lucian ne le heal pas beaucoup. C'est un petit peu compliqué pour moi, c'est-à-dire qu'on est split, je me retrouve seul. Mais seul au monde. Je m'attendais vraiment à ce que ma team en fait s'approche plus de moi pour qu'on fight les adversaires ici. Là il y a du coup ce très cher Braum qui continue le fight. J'ai plus de HP et le stun de Braum suivi de mon stun à moi avec mon E qui nous permettent de tuer la Katarina ici. C'était chaud. C'est-à-dire qu'on a une partie de la team qui est partie par là. Moi je suis parti de l'autre côté parce que j'étais un peu mis à mal bah, vu que j'étais collé au mur au début avec la Katarina quand j'ai voulu la suivre avec le team. Donc là, les adversaires ont voulu me prendre à partie. Braum est très très bienvenu sur moi. Et vraiment, c'est le cumul de nos deux CC qui a permis de survivre, enfin d'éviter de cramer le passif. Premier stuff, donc bien évidemment l'item jungle, plus de HP, etc. Enfin, les HP, ça se prête bien au personnage. Armure, cooldown réduction, c'est classique. Et le visage spirituel ensuite. Encore une fois, des HP, donc ce sera amélioré encore plus via l'esprit de l'ancien golem. On a aussi la restance magique. En face, Maokai, dégâts magiques, Katarina, dégâts magiques, Ramus, dégâts magiques, Thresh, dégâts magiques. C'est plutôt pas mal. Donc je me suis basé là-dessus pour être plutôt bien. Là, le Jace qui se fait un petit move sympathique tout seul. Le Drake up. Il y a toujours ma Pink Ward de tout à l'heure qui est up au Drake. On va donc pouvoir enlever la vision aux adversaires. Le temps que nos alliés arrivent, hein, on a Lucian et Kassa qui arrivent. Pensez à prévenir vos alliés, genre 30 secondes, une minute avant Drake. Drake dans une minute. À l'époque, on notait les timers manuellement. Bah, on le faisait, ça. Et il faut toujours prévenir les gens. Mon jump me permettant d'aller très loin. Alors là, c'est vrai que c'est très très ballsy ce que je fais, en fait. Je vais chercher le fight très loin parce que mes alliés sont proches, à mon goût, que je peux tanker assez longtemps pour leur permettre d'arriver, et que les adversaires, du coup, bah, en termes de position, on a le Maokai qui ne peut plus fight. Moi, j'ai un ultime, je crains pas vraiment la mort. Mes alliés peuvent se mettre en place pour faire leur taf. Je flash out du fight. Hein. Et là, j'ai encore une possibilité de revenir dedans. J'ai mon E et j'ai mon ultime qui up. Maokai qui n'est plus dans le fight. On a Lucian qui arrive ici. Ok, à moi de faire le taf. Le Ramus qui va tenter de me tuer, qui va pas réussir. Et là, regardez, les adversaires sont paqués. Je retourne dans le combat. Directement, le stun sur 3 ennemis. J'y perds mon passif. Mais au final, sur ce fight-là, donc Langage qui met super, super mal au Maokai et qui, bah, du coup, donne à la team adverse de la confiance. Ils se disent, ouais, le Zac, il a plus d'ultime, il a plus de flash, on y va. J'ai un passif qui me permet, du coup, de reculer dans le fight et de revenir dedans pour mettre la pression. On va donc là-dessus récupérer 2 kills, potentiellement un 3e. Non, 2 kills. Les adversaires, ici, ont du back. Maokai, il n'y avait plus de vie, il y a 3 morts en face. Ramus a plus de HP non plus. Ils sont donc obligés, les ennemis, de back. Là, c'était le baron instant à faire. Le Drake est certes à côté, mais je trouve ça dommage de perdre quelques secondes au Drake. Finalement, la team va rapidement arriver pour faire le baron. C'est plutôt cool, même si on le commence un peu tard. On aurait dû commencer 10 secondes avant. Hein. Ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ça va qu'il n'y a pas de vision. Une fois de plus, hein, on est sur cette idée de ward et de savoir si on a la vision ou pas, si on peut faire ses objectifs. C'est super important. La régène HP de ouf, hein, via le passif de Zac, le visage spirituel, la régène du baron, c'est juste complètement malade tout ce que vous pouvez cumuler à ce niveau-là. Au niveau du farm, on est quasiment à 100 creep,
en 22 minutes. Pour un jungle, c'est pas mal. 4-0-6 de score. Dans la game, on est bien. Et là, des golds, on en a beaucoup. Un cassette de gold. On va enfin pouvoir commencer maintenant à prendre de l'armure. Toujours plus de HP, de la tankiness. Pour gêner un petit peu cette veine quand même. Et les HP qui permettent aussi de tanker, bien évidemment, les autres ennemis. Faut penser qu'avec Zac, vous avez une capacité d'engage assez ouf. Ou justement, si le fight est déjà engagé, d'arriver pour vous imposer un petit peu. Essayez de sauter sur un maximum de gens possible avec votre ultime. Le premier rebond sur les ennemis va les bump légèrement. Les autres, ça fait juste des dégâts. Ça, c'est important à noter. Un petit peu comment y dire. Par contre, vous n'avez pas les 6 secondes entre les stuns. Là, c'est juste une seule fois. Important. On peut donc nous-mêmes faire des engages de fight si nécessaire. J'ai un E toutes les 9 secondes. Bah voilà. La kata est mal placée. Elle est punie via un saut. N'hésitez pas à bourriner en fait avec Zac. Si vous sentez en confiance que votre team suit, qu'il y a du dégât derrière, allez-y, rentrez dans le tas quoi. Faut penser que même si à tout hasard votre E ne touche pas directement, vous êtes ensuite approché de vos adversaires. Une fois que vous êtes approché des adversaires, vous êtes peut-être à portée pour le A et ça c'est intéressant. Donc vous avez un but vraiment en termes de dégâts, c'est intéressant au début, de cesser et de pression psychologique, je veux dire un gros truc qui vous arrive dessus, qui tank bien, vous n'avez pas envie de le taper, vous savez qu'il va vous ralentir, etc. C'est un peu chaud. Les HP étant assez bas, ici on va donc aller viser l'objectif, une fois de plus, une tour, qui va nous permettre de prendre de l'avance au gold, régène des HP via les passifs, via tout ce qu'on a comme d'habitude. Regardez, les HP c'est à coup de 170 que je me régène par blob récupéré. Plus la régène HP toutes les 5 secondes, 139, c'est assez ouf. Quand vous cumulez le tout, le baron, le visage spirituel et tout, vos HP, on dit fondre comme neige au soleil, mais là c'est se régénérer super vite quoi, c'est juste un truc de malade. À côté, les alliés font le taf, vraiment les ennemis en fait au lieu de nous laisser prendre des objectifs, d'essayer de se regrouper à 5 pour défendre le Nexus, ils font une erreur qu'on voit à tout niveau, de bronze jusqu'à diamant. Dès qu'ils ressuscitent, ils vont essayer de défendre. Non, ça sert à rien de défendre un V5, tu ne peux pas. Vaut mieux attendre, se regrouper à 5. Et quitte à perdre un inhibiteur ou deux, mais au moins essayer de défendre à 5. Le Nexus, là, vous pouvez faire quelque chose à 5. Si vous venez à 1, puis 1, puis 1, non, vous allez juste mourir bêtement. C'est un peu dommage. Cette game-ci, du coup, on fait gaffe à l'adaptation du stuff. Le visage spirituel, très rapidement, parce que la team adverse a beaucoup de dégâts magiques, c'est important. Au niveau des ganks, vu que je ne suis pas sûr de pouvoir faire des ganks successful, je passe beaucoup de temps à farm. Mais le fait de passer beaucoup de temps à farm me permet quand même d'avoir un certain level dans la game. En termes d'XP, je ne suis pas en retard du tout, voire l'inverse. Je suis plutôt en avance par rapport au Rammus. On a pu prendre des contrôles d'objectifs avec les pink wards, très important. Warder encore, c'est juste complètement ouf les wards. Et puis niveau stuff, adaptez-vous. N'hésitez pas à utiliser votre passif pour bait un petit peu, retourner dans le fight, des choses comme ça. Passif, ultime, vous avez une quantité de dégâts, mais que les gens négligent trop à mon goût. Et ensuite, après les dégâts, plus tard dans la game, une fois que vous en aurez moins, ça va plutôt être via votre tankiness et via vos CC, vous allez mettre une pression assez énorme. C'est très important à noter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, je me ferai un plaisir de répondre. Vous avez dans la description les liens des réseaux sociaux que vous retrouvez là aussi, mais qui sont cliquables dans la description. Vous pouvez pouce bleu teaser la vidéo, pouce rouge teaser si vous n'aimez pas, mais dans ce cas, précisez pourquoi, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis, partagez tout ça. Passez une excellente soirée, à la prochaine.